Voilà, donc l'enregistrement a démarré. Ce que je vous propose de commencer, c'est de faire un tour de table afin de vous présenter. Et puis ensuite, nous commencerons donc notre groupe de travail sur l'avance immédiate de crédit d'impôt. Donc, on va commencer peut-être. Alors, Christelle, d'aide et multiprésence. Bonjour, Christelle Roqueberg, aide et multiprésence, association mandataire sur Cholet, Maine-et-Loire depuis 38 ans. Moi, j'y suis depuis 20 ans. Voilà, 100% mandataire. Merci Christelle. Alors je vois à côté de vous Isabelle. Alors Isabelle Oui. Vigouroux, Oui, AS-Domicile. bonjour. Bonjour, je suis Isabelle Vigouroux, directrice financière du système d'information d'AS-Domicile, qui est une structure qui se situe dans le Finistère, qui intervient sur 54 communes. Et nous avons tout l'aide et le soin, SIAD, services prestataires d'aide à domicile, accueil de jour, portage de repas, tous les services à la personne, et un service mandataire de 48 000 heures, environ 300 usagers, 300 particuliers employeurs. Et présente à côté de moi Pamela Roland, qui est chef des services et qui prendra le relais parfois parce que je ne vais pas forcément toujours être disponible, si ça ne vous dérange pas qu'elle soit là. On va travailler un peu en binôme sur le sujet. Voilà. Très bien, merci. Ensuite, j'ai Julien de Famille Emploi Service. Oui, alors Julien Stachoviak, je suis technicien administratif au sein de Famille Emploi 68. Donc, Oui. Famille Emploi 68 est un service mandataire qui est sur l'ensemble du département du 68. On fait à peu près, sur l'année 2022, on a fini à peu près avec 170 000 heures sur l'année, Oui. pour à peu près, que je regarde juste mes stats sans me tromper, pour à peu près 840 bénéficiaires sur l'année. D'accord. Et on fait partie d'un réseau associatif qui propose un service prestataire, un SIAD, des EHPAD, des résidences, etc. Et on fait également la sous-traitance d'un service mandataire sur le 51, où là, l'activité est beaucoup plus petite. Très bien, merci. Ensuite, je vois Amandine Belay. Oui, bonjour. Donc, SIA Sud-Aquitaine, une association qui porte des établissements médico-sociaux dans les Landes et le 64. Et depuis juin, qui développe le label Bulle d'air sur Aquitaine, donc pour du répit. On est tout nouveau. Moi, je suis coordinatrice, je viens d'être recrutée. C'est assez nouveau pour nous. Et en fait, je viens de voir la newsletter ce matin, j'ai répondu et j'ai eu une invitation dans les 5 minutes. Donc je suis là plutôt dans l'écoute pour avoir des infos. Voilà, je ne sais pas si je vais être d'une grande aide moi, mais plutôt dans l'écoute ce matin. Merci. Oui, tout à fait. Effectivement, vous êtes celle qui vous êtes inscrite voilà, au dernier moment, mais donc je vous ai envoyé le rappel, pas de souci. Merci beaucoup. Je suis Virginie dispo, donc ça Dauge. tombe bien. Bonjour, du coup, Bonjour. je représente la DPAD, c'est une structure d'aide à domicile sur le département de la Haute-Vienne, le 87. Nous, on intervient sur tout le département, prestataire, mandataire et service à la personne, pas la Oui. personne, à la personne et aussi TISF, je voulais dire, service aux familles. En mandataire, plus particulièrement, donc on a une responsable du secteur qui gère tout le département de la Haute-Vienne. On fait 125 000 heures et on a environ 330 personnes aidées. Très bien, merci. Jérémy Tosolini. Oui, bonjour à tous. Donc Jérémy Tosolini, donc je suis le co-dirigeant de ce qui s'appelle maintenant le groupe UNED. Donc le groupe UNED est un service d'aide à domicile exclusivement mandataire qui intervient sur 41 départements en France pour un petit peu plus de 1 000 mandants et un petit peu plus de 500 000 heures. Et avec déjà un stade, je pense, avancé sur la ICI. Donc je pense que voilà, pouvoir partager des choses. Et améliorer tout ça ensemble. En tout cas, bravo pour la nouvelle structuration de la fédération mandataire. On sent que les choses bougent et qu'on est en train de rattraper d'autres fédérations. Et ça, c'est très bien pour notre belle activité mandataire. Merci.
Pascal Rakeli. Oui, bonjour. Donc, je suis le directeur du service. Je suis le directeur du service mandataire ADAR, qui est une association qui existe depuis 50 ans sur la Loire-Atlantique et qui couvre tout le département avec une prédominance pour le prestataire et un complément avec le mandataire, surtout ce qui est garde de nuit et prise en charge de personnes handicapées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien, merci. Donc, il me manque Isabelle Wouter, ce n'est pas là, et Cindy Lemay non plus. Donc, j'ai deux absents. Ensuite, je vais laisser Christian Portier se présenter. Christian Portier, donc, de la Sarthe, délégué Fédération FEPAM Pays de la Loire et membre du Fédération Mandataire France. Merci Christian. Pauline. Ah. On n'entend pas Pauline. Oui, sinon, oui. Je laisse la main à Sébastien Abbé en attendant. Oui, bonjour à tous. Oui, Sébastien Abbé, éditeur de logiciels donc pour HMC2. Donc, je suis responsable du développement de toutes les solutions mandataires. Et puis, je suis chez HMC2 depuis 23 ans, donc une grosse expertise mandataire. Merci. Donc, Pauline, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, Pauline Brousse-Jutin, je suis chargée de vie associative au sein de Fédération Mandataire. Merci. Audrey Piton, je te laisse te présenter. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Voilà. Audrey Piton, là vous m'entendez? Oui, très bien. Là, Audrey Piton, je suis directrice d'une structure qui est l'Ange Gardien, qui est une structure qui est prestataire mandataire et qui est basée dans les Yvelines. Voilà. Merci Audrey. Merci Audrey, on n'a pas commencé encore, tu vois, on termine le tour de table. Je pense que tout le monde s'est présenté. Ou est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon? Ok, donnez-moi juste un tout petit instant. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu positivement pour participer à ce groupe de travail sur un sujet qui est très sensible et qui nous intéresse tous et qui nous interpelle tous. L'objectif donc de ce groupe, c'est donc vraiment que nous écoutions et nous partagions toutes les problématiques que vous rencontrez chacun sur vos territoires. Et l'objectif, c'est qu'on, en fait, on vous oriente vers des solutions, qu'on identifie les risques associés à chaque solution qu'on pourra vous proposer. Et ensuite, il s'agira d'adapter tous les process et tous les documents en fonction des orientations qui auront été choisies. Donc, nous allons commencer à regarder un petit peu les différentes options possibles qui sont proposées par l'URSSAF. Ensuite, on pourra échanger et je pense que dans un second temps, donc d'ici une quinzaine de jours, nous pourrons vraiment détailler toutes les solutions qui auront été choisies et voir toutes les adaptations qui en découlent. Si cela vous convient, je vais commencer à présenter les différentes possibilités, enfin les différentes possibilités de l'URSSAF. S'il y a quoi que ce soit qui vous interpelle, n'hésitez pas tout de suite à me couper en fait, hein, que ça soit très le plus interactif possible afin que l'on puisse avancer. Je vais donc partager mon PowerPoint. Mmh.
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Juste avant, je me permets une petite question. On pourra avoir les slides après. C'est pas la peine qu'on recopie tout. Vous nous les enverrez? Oui, complètement. Ce que je vais vous envoyer, c'est le lien vers le replay pour les personnes qui n'auront pas pu suivre tout le groupe de travail d'aujourd'hui, ainsi que le PowerPoint que j'aurais pu compléter justement en fonction de nos échanges d'aujourd'hui. Ok, merci. D'accord, voilà, parfait. Donc, nous allons commencer par déjà nous rappeler un petit peu le cadre de cette avance immédiate de crédit d'impôt. N'hésitez pas si vous voulez compléter les informations. Donc, malheureusement, pour l'instant, la LICI ne concerne pas les employeurs qui bénéficient d'aides spécifiques, donc l'APA, la PCH et la CMG. Pour l'APA PCH, l'entrée en vigueur de ce système ne devrait rentrer qu'en 2027 et pour la CMG, ce sera 2026. Donc, il faut encore beaucoup patienter. Donc, pour que le particulier employeur puisse bénéficier de l'avance immédiate de crédit d'impôt, donc il doit posséder une adresse sur le territoire français, être connu de l'administration fiscale, appartenir à un foyer fiscal ayant déjà soumis une déclaration sur le revenu et être à jour des obligations de déclaration et de paiement au titre donc de l'impôt et sur le revenu et des cotisations sociales. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va commencer par lister un petit peu tous les produits et les outils qui sont mis à disposition par l'URSSAF. Alors, vous utilisez tous le dispositif ASAP qui devait donc prendre fin prochainement, mais en fait, l'URSSAF n'a pas, Caisse nationale, n'a pas communiqué officiellement sur la fin de ce dispositif. Donc, il est tout à fait encore utilisable avec le passereau. Donc, ça, c'est le premier outil que vous utilisez tous, je suppose. Merci d'affirmer si ça n'est pas le cas. Oui, on l'utilise. C'est oui. Le cas ? Tout le monde l'utilise. D'accord, merci. Ensuite, donc, là, il y a donc l'interface individuelle CESU+, qui peut être utilisée. Et puis ensuite, il y a les deux fameuses API dont nous allons travailler aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui. Donc, l'API tierce déclaration, qui est une déclaration uniquement sur les heures des salariés, et l'API tierce de prestation, qui permet de facturer de façon globale. Voilà, excusez-moi. Donc, on va détailler cela. Donc, la tierce prestation, c'est vraiment la déclaration des heures des salariés du particulier employeur uniquement. Et l'API tierce prestation donc permet justement de faire une facture globale et de permettre d'avoir l'avance immédiate de crédit d'impôt sur la totalité donc de la facture. Et alors, ça, vous avez dû, donc, vous devez le savoir, donc les deux API sont dissociées. Et il faut créer un compte pour chacune des API, car elles ne communiquent pas entre elles. Donc, concernant donc la demande de ces API, est-ce que vous avez fait la demande? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Donc, déjà, ça, c'est un point important pour nous avant qu'on rentre dans le détail de ces deux API. Voilà, je vous laisse un petit moment... la parole afin de pouvoir échanger, ou est-ce que vous souhaitez au contraire qu'on rentre dans le détail de ces deux API? Vous avez fait la demande déjà ou pas encore? Oui. Alors, au niveau de Famille Emploi, il y a une demande qui a été faite il y a bien longtemps, maintenant je dirais il y a quasiment 2 ans, oui. Où on parlait de l'avance immédiate du crédit d'impôt, sauf que pour le moment, on n'a rien fait d'autre. D'accord, vous avez vos identifiants, vous pouvez quand même accéder à laquelle d'API? À mon avis, on a fait la tierce déclaration. C'est ma carte chargée, bougée cette semaine. Et à mon avis, c'était celle-ci qu'on avait fait. D'accord.
déclarer aussi bien les charges, les salaires et les heures qui étaient faites. Je peux peut-être compléter ce que disait Julien. Donc nous, comme Julien d'ailleurs, on a fait la demande il y a 2 ans parce qu'on voulait être carré pour 2022. C'était la première annonce de l'URSSAF, 1er avril 2022. Donc on a opté pour l'API tiers prestation. Et pour l'instant, ce que le terrain me remonte, quand je dis le terrain, c'est les professionnels de la maison qui s'occupent de ces demandes-là, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un souci double. D'abord, c'est... si je ne dis pas de bêtises, c'est la cohabitation entre la déclaration API tiers prestation du prestataire, et il semblerait que ce soit le même canal que le mandataire. Et puis après, c'est sur la notion de facture unique, c'est-à-dire que si on fait une facture unique, cela veut-il dire que l'on perçoit, nous en tant que service à domicile, l'intégralité du coût, c'est-à-dire le salaire, les cotisations et les frais de gestion. Si on les perçoit, ça veut dire que quelque part, on reverse le salaire. Oui. D'accord. Donc, nous, oui. Ça nous pose déjà un problème d'emblée. C'est qu'on ne perçoit pas le salaire, ni les cotisations. D'accord. Je peux continuer peut-être pour domicile. Oui, on a la demande sur les deux. Voilà, c'est en cours. Il y avait un délai annoncé depuis de 200 jours. Donc voilà, c'est en cours, le dossier est complet et on a effectivement tout à fait les mêmes questions puisque nous aussi, on ne refacture que nos frais de gestion à l'usager et on n'encaisse ni les salaires ni les charges. D'accord. Vous avez fait donc la demande de laquelle de l'API, de l'API prestation. Sur les deux, puisqu'ayant aussi un service prestataire, on le fait aussi, donc on a fait les deux. Les deux demandes. D'accord. OK. Et là, vous n'avez pas eu de retour encore ? Non, aucun retour, à part que le dossier est complet. Et quand on retourne sur le portail, on nous dit que c'est en cours. D'accord. Mais bon, vu des délais, ce n'est pas étonnant. Oui, oui. On reçoit un mail en nous disant que c'est inutile de les relancer. Donc, on attend. Y a-t-il d'autres structures qui ont fait la demande, qui se sont engagées ? Oui. Oui, alors, alors je suis assez surpris... Des délais annoncés par mes homologues. Nous, tout est en place. On est en API, donc tiers prestation. On collecte la totalité, donc le salaire et les charges qu'on reverse trimestriellement plus nos frais de gestion. Nous avons été accompagnés par nos deux les éditeurs de logiciels, donc UTEC et Arch, et avons passé nos premières facturations via la ICI en juin. Donc, on a vraiment rencontré peu de problèmes à la mise en place. Et je me permets de vous couper parce que vous avez dit, me semble-t-il, que vous êtes sur 41 départements, c'est ça ? Tout à fait. Et les 41 sont mis en place ? Oui. Ah oui, c'est qu'il y a un problème chez nous tous alors. Je pense que vous avez été un des premiers à dégainer assez rapidement. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, ça, c'était très simple au départ. Oui. Et c'est vrai que ceux qui s'y ont mis plus tard. Ça a vite été dépassé. Quoi. Ouais. Donc, certainement. Oui. Donc en fait, vous faites de la facturation globale pour tous vos mandants. On a un peu près 200, alors on a un petit peu plus de 1000 mandants. On en a 200 qui passent, qui sont enregistrés à la ICI et qui sont facturés à la ICI, tout à fait. Et les autres, en fait, ont donc le crédit d'impôt annuel. Exactement. Et c'est au choix des employeurs ou c'est vous qui… Ça. Comment ça s'est décidé ? Alors, comment ça s'est décidé ? En fait, c'est dans notre proposition commerciale. Hein. Dès qu'on détecte pas d'APA ou pas de PCH, on propose tout de suite la mise en place de l'ICI, puisque c'est un vrai levier commercial de pouvoir dire au client de ne s'acquitter que de 50% de sa facture. Aujourd'hui, le délai de mise en place, il est d'à peine, quand on fait la demande, il est d'à peine 20 jours, c'est-à-dire qu'il y a même des clients qui peuvent l'avoir tout de suite sur leur première facture. Nous, les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'est plutôt on y viendra peut-être par la suite, plus loin dans le groupe de travail, c'est les motifs de refus de prise en charge qui sont difficiles à décrypter.
Et vous n'avez pas le risque d'impayer d'une part, et d'autre part, si les gens ont l'APA, ça veut dire que vous les rebasculez sans crédit d'impôt immédiat. En fait, nos outils le font automatiquement. Dès qu'on enregistre un plan d'aide, APA ou PCH, l'URSSAF annule automatiquement l'avance immédiate du crédit d'impôt. Oui. Mais vous n'avez que l'API tierce prestation, vous n'avez pas l'API tierce déclaration du coup. Non. Mmh. Oui, voilà, parce que du coup, vous facturez tout. Exactement. Oui. Et le risque d'impayé, vous le mesurez comment? Et l'URSSAF rembourse vite aussi? Ah bah en fait, via l'URSSAF, le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucun risque d'impayé. Puisque c'est l'URSSAF qui facture le client, nous, dans tous les cas, on est payé. Après, c'est l'URSSAF qui gère l'impayé avec son cotisant. Ouais, y a quand même une toute petite alerte sur ça, parce qu'en fait, on a su qu'à J plus 30, l'URSSAF peut quand même se retourner vis-à-vis de la structure mandataire en cas de rien impayé, quoi. Alors, on a eu un cas, en effet, quand il y a deux API successifs. Mais en tout cas, ils ne réclament pas la somme qui a été perçue. En tout cas, jusqu'ici. OK. D'accord. Y a-t-il d'autres témoignages? Oui. Oui. Du coup, nous, en Haute-Vienne, on a fait les deux API au tout début. Oui. L'API tiers prestation, du coup. Pardon, pour le côté prestataire, ça a très bien fonctionné. On a nos identifiants, on est en cours, ça fonctionne. Et par contre, on voulait se lancer pour le mandataire aussi. Oui. Et c'est là où on a rencontré différentes problématiques parce que nous, on fait pareil, on fait qu'une facture du coup sur notre frais de gestion. Et c'est par contre le mandant qui paye la salariée les frais URSSAF. Et c'est là où dans l'API tierce déclaration, où on a eu un souci. Et on a eu M. Abbé, du coup, au téléphone régulièrement là-dessus aussi. Parce qu'en fait, il fallait qu'on passe par la plateforme CESU pour qu'on aille déclarer nos heures pour pouvoir qu'ils bénéficient des 50% immédiats. Et c'est là où nous, on a dit stop. Et en fait, sur l'API mandataire, les bulletins de salaire, ce n'est pas la structure qui les récupère, il faut aller sur le compte individuel de chaque particulier employeur. Donc, c'est une galère absolue. Mais c'est qu'on n'a pas voulu avoir surtout le logo CESU ou URSSAF sur les bulletins. Et du coup, on ne voyait plus la plus-value de notre service si on devait passer par là. Et on est d'accord que les bulletins qui éventuellement sont édités par l'éditeur de logiciels sont des bulletins qui sont des projets, entre guillemets, qui ne valent pas réel bulletin. Si on passe par l'API et que c'est le bulletin du CESU qui vaut, prévaut. C'est le CESU qui fait foi, hein. Oui. 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 Voilà. Oui, oui. Donc du coup, là, on a dit stop et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir essayer, parce qu'on nous le réclame énormément et beaucoup de personnes ne souhaitent pas passer par nous parce qu'on n'a pas ça, en fait. D'accord, c'est noté. Et monsieur Madame Bellet. Oh, pardon. Madame Bellet avait levé la main. Oui, excusez-moi, j'ai une question peut-être un peu bête, mais nous, du coup, dans le cadre de Bulder, on est un service de répit, on vient en complémentarité d'autres services d'aide à domicile. Si les bénéficiaires ont l'APA pour les autres services d'aide à domicile dans le cadre de plan d'aide, nous, comme on n'est pas conventionné, quand on dit pas APA, pas PCH, si ce n'est pas avec notre service, ce n'est pas grave. On peut demander de l'ICI quand même. Non. Pour les bénéficiaires qui n'ont pas d'APA PCH, effectivement. Non, non, pour les autres. Non, non, madame, si vous intervenez en complément d'un service. Même si le contrat n'est. Le service est à la. Oui. En fait, c'est le bénéficiaire, c'est le particulier employeur. Si le particulier employeur est bénéficiaire de l'APA ou la PCH par ailleurs, vous ne pouvez pas lui faire profiter de l'ICI. D'accord. Oui. Monsieur Rakeli. Merci. Avait levé la main. Donc, je vais continuer dans les hypothèses qui sont créées à droite et à gauche et vous dire où on en est, nous, de notre réflexion. En fait, on était prêt tout simplement à passer par le CESU+, avec la contrainte que vous développiez, oui. C'est-à-dire d'interroger tous les comptes, les uns après les autres, moyennant effectivement aussi un accord écrit qui borde un petit peu le fonctionnement, parce qu'on agit sur le compte du particulier employeur CESU+, pour son compte, donc il faut qu'il y ait un accord préalable écrit. Et en fait, on est bloqué parce qu'on se dit « Ok, ça marchera pour les 50% du salaire, les 50% de l'URSSAF », avec finalement un service qui nous irait bien, c'est que c'est l'URSSAF qui s'occupe de faire la fiche de paie et
qui verse le salaire aux salariés. Ça, d'un certain côté, pourquoi pas, à la rigueur. C'est finalement une délégation de service de nous vis-à-vis de l'URSSAF. Mais l'hypothèse qui nous posait problème, ou qui nous pose encore problème, c'est de dire, eh ben, pour les 50% d'abattement sur les frais de gestion, on va rester en ASAP, c'est-à-dire que ce sera fait en N plus 1. Le seul souci, c'est qu'on ne sait même pas si c'est possible, ça. Dès lors que vous passez sur le CESU, en fait, il n'y a plus de notion d'ASAP. L'ASAP, c'est terminé. Ben si, mais ce que moi, je crois comprendre, M. Abbé, c'est que dans le CESU+, on peut faire passer uniquement le salaire et les cotisations, pas les frais de gestion. Non, non, mais c'est, en fait, je pense que Nathalie va en parler tout à l'heure, mais c'est là où vous allez devoir avoir les deux API à gérer. L'API tiers déclaration pour la partie salaire et cotisation, et l'API tiers prestation pour déposer vos factures de frais de gestion. Donc, en fait, ça fait double déclaration à faire. C'est ça, c'est beaucoup plus lourd en fait. Oui. Okay, on détaillera ensuite peut-être les deux process si vous le souhaitez. D'accord. Madame Roquebert, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Oui, je voulais demander à Monsieur Tosolini si du coup il passait forcément par CESU. Non. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Uniquement tiers prestation. Uniquement tiers prestation. Oui, tout à fait. Ok. Ok, merci. Ensuite, je laisse la parole à Julia de Famille Emploi. Oui, alors nous, on n'a pas mis en place pour le moment l'avance immédiate du crédit d'impôt parce que se posaient beaucoup de questions par rapport en fait à notre travail, à notre plus-value service mandataire. Comme l'a dit quelqu'un, c'était hors de question de passer par le CESU+, parce que du coup, je n'avais plus la main sur beaucoup de choses, sur les fins de bulletins de salaire. Les bulletins de salaire. Et à un moment, c'est compliqué aussi de dire aux gens, vous vous inscrivez sur le CESU, mais nous, on fait les déclarations. À un moment, ils vont se dire, mais je paierai des frais de gestion peut-être pour ça. Et après, ce qui pose aussi problème, c'est qu'actuellement, on a quand même un système qui fonctionne plutôt bien avec ASAP et Passereau, et que là, on veut un peu tout chambouler, voilà. Mais que pour le moment, alors il y a les tests, ma collègue avait fait des tests, et les tests s'avéraient, mais d'un compliqué et pas possible, pour mettre ça en place. Alors, la demande, elle est là, aujourd'hui, mais pas tant que ça, finalement. Les gens nous le demandent, on dit qu'on travaille dessus et que ça sera mis en place, on les tiendra informés, mais on n'a pas tellement de personnes qui demandent potentiellement à avoir cette avance immédiate. Maintenant, effectivement, la différence, je pense, par rapport à une aide, c'est que en faisant la tiers déclaration, comme le salaire est versé par la structure, nous, en fait, on facture à l'employeur. L'employeur nous reverse l'URSSAF, qu'on reverse après nous par trimestre à l'URSSAF, et les frais de gestion. Mais le salaire est à la charge du salarié. À un moment, en fait, en tant que structure mandataire, on nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de payer les salaires des intervenantes. Voilà. C'est conformé aux différentes réglementations qu'il y avait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais on ne se sent pas… on nous dit qu'il faut mettre en place, on peut bien le mettre en place, mais finalement, quand on doit le mettre en place, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est fait pour nous, que l'activité mandataire est tellement complexe par rapport à une activité prestataire, où finalement, il y a un tiers qui rentre en jeu, on est un peu perdu, j'avoue. D'accord. En tout cas, Monsieur Tosolini pourra témoigner encore de la façon dont il a mis en place le process et du fait que ça fonctionne pour 200 mandants ceux qui ne sont pas évidemment soumis, enfin qui ne sont pas bénéficiaires de l'APA et la PCH. Donc, ce que je vais vous proposer, si vous n'avez pas d'autres témoignages, c'est de rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet sur ces deux API. Je vais repartager mon écran. Vous le voyez, au fait, mon écran ou pas? Vous le voyez? Oui. Voilà. Donc,
Ce qu'on vient de dire là, pour résumer un petit peu, si vous faites de la facturation globale, vous avez besoin de l'API tierce de prestation. Et par contre, sinon, vous pouvez utiliser l'API tierce déclaration associée au CESU. Donc, on va voir en détail. Donc, ce que l'on appelle mandataire simple, c'est justement ce que vous disiez, Monsieur Rakeli. Donc, le particulier employeur va rémunérer son salarié chaque mois sur la base du bulletin de salaire reçu. Et la structure mandataire va facturer au particulier employeur les frais de gestion. Mais pour cela, il faut deux API. Donc, on va voir ça. Là, par contre, je ne vois plus. Donc, je vais essayer quand même de faire en sorte de vous voir. Voilà. attendez, parce que j'ai l'impression que quelqu'un a levé la main. Je pense que c'est bon. Alors, c'est Julien qui devrait baisser la main, je pense. Oui, voilà, parce que je vois que Julien a levé la main. Alors, donc, pour les heures effectuées par les salariés, donc vous pouvez continuer à utiliser donc, la ZAP plus le passereau. Ce qui fait que dans ce cas-là, donc vous continuez à éditer le bulletin de salaire, mais vous ne pouvez pas appliquer l'avance immédiate. Donc, vous avez juste à proposer le crédit d'impôt annuel. Sinon, vous pouvez utiliser donc l'API tierce déclaration avec l'activation du CESU+. L'inconvénient, c'est que vous devez donc, le particulier employeur doit posséder une identification numérique, ce qui n'est pas toujours le cas pour les personnes âgé, que le bulletin de salaire est fait par le CESU et donc que vous n'avez plus vraiment la main sur le bulletin de salaire et vous devez surtout, ce qui nécessite beaucoup de temps en fait, vous devez prendre la main sur le compte de chaque particulier employeur, le compte CESU de chaque particulier employeur. Donc c'est un process qui est très lourd et ensuite, pour facturer vos frais de gestion, si vous ne déposez pas donc, sur l'API tierce prestation, ben, vous maintenez le crédit d'impôt annuel ou alors vous devez donc enregistrer sur l'API tierce prestation les frais de gestion. Donc, cela fait donc deux API à gérer. Donc, pour gérer donc, la partie salaire, charge et frais de gestion. Ensuite, je vais parler du mandataire complexe. Est-ce que vous avez peut-être déjà des commentaires sur le mandataire simple ? Non. Puisque Monsieur Rakeli, par exemple, c'était l'hypothèse que vous vouliez essayer de creuser cette hypothèse. Oui, en fait, comme on essaie d'éviter, oui. Le CA de l'association dont je dépends essaie d'éviter, si vous voulez, absolument la perception de l'URSSAF et le reversement du salaire, on est forcément sur une posture de mandat simple. Et effectivement, on s'aperçoit que par la force des choses, et moi, je le vois plutôt d'un bon œil, le crédit d'impôt immédiat va plutôt amener le mandataire à aller vers le complexe, parce que c'est plus simple. Et moi, pour l'avoir vécu en tant que directeur d'association à GAD avant, on était en système mandataire complexe. Et pour en revenir à ce qu'on disait en termes de positionnement commercial ou tout simplement de simplification de service, c'est une posture qui se vend beaucoup mieux. Preuve en est d'ailleurs, ce matin, un privé lucratif, sans le citer, faisait un article en Vendée en disant à partir de 2024, nous serons en capacité de faire l'avance immédiate, même pour les APA PCH. Bon, à mon avis, je crois qu'ils sont pas au courant de tout, mais ça coûte rien de le dire. C'est sûr. Donc, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, je l'ai dit dans un autre groupe de travail, si vous étiez là, je pense, c'est de dire le mandataire complexe, moi, je veux bien. Par contre, il faut simplement qu'on soit borné juridiquement comme il faut, de façon à ce qu'on évite la requalification employeur. Parce qu'il suffit d'une condamnation pour que déjà la structure soit mise en danger. Tout à fait, je comprends. Donc, je vais poursuivre.
Donc, justement, nous allons donc maintenant plus nous attacher au process relatif aux mandataires complexes pour faire la demande donc, de l'avance immédiate de crédit d'impôt. Donc là, la structure va présenter une facture et donc va verser les sommes dues aux parties prenantes, donc la rémunération du salarié, les cotisations URSSAF, et puis donc gérer aussi donc la partie prélèvement à la source à la direction des finances publiques. Donc les outils qui sont mis à disposition. Si on reste sur l'ASAP passereau, la structure va juste donc va déclarer les heures sur ASAP, éditer le bulletin de salaire. Et donc ça, plus donc elle va utiliser l'API tiers de prestation. Elle va déposer donc sur cette API la facture globale et donc le particulier employeur pourra bénéficier de l'ICI sur la totalité du coût. J'avais fait une simulation, mais ça, je pense que voilà. Donc, quels sont les risques liés à cette facturation? C'est ce que disait Monsieur Abbé tout à l'heure. Déjà, il y a une avance quand même de trésorerie. Je ne l'ai pas indiqué. La structure doit quand même faire une avance de trésorerie, puisqu'elle doit payer le salarié avant de toucher donc la somme que lui verse donc l'URSSAF. Est-ce que donc vous m'arrêtez si vous avez des remarques? C'est bon pour vous? C'est exact. OK. Et donc, par contre, si le particulier employeur n'est pas solvable, l'URSSAF, on sera averti en fonction du délai de la banque, et il va bloquer le compte URSSAF de l'usager, mais il va donc, il y aura un contentieux auprès de la structure, entre la structure et le particulier employeur, puisque donc la structure donc va, il y aura un manque à gagner pour la structure qui n'aura pas récupéré le montant dû. L'impact, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la ZAP. Donc le particulier employeur doit être identifié au CESU. Donc ça c'est assez lourd si on est sur le CESU. Donc là je vais peut-être passer un petit peu rapidement puisque c'est peut-être pas l'orientation que l'on va arriver. La tierce déclaration, c'est pareil. Je voulais plutôt vous parler. Alors, nous avons fait un sondage auprès de toutes nos structures. Donc, vous avez dû recevoir un petit récapitulatif. Un petit peu le bilan. Pour l'instant, nos structures, en mode 2, là, ce que vous voyez en orange, elles accompagnent le particulier employeur et elles éditent, elles déclarent les heures via un éditeur de logiciels. Elles passent donc par ASAP et elles facturent donc les frais de gestion. Ensuite, en deuxième, donc c'est le point vert, le mode 3, elles déclarent sur ASAP et elles versent donc... Elles éditent le bulletin de salaire du salarié. Je suis désolée pour le bruit, en fait, on a un petit souci. Est-ce que le bruit vous gêne beaucoup? Pas du tout. Non, ça pas va. Pas du tout. Ah, vous n'entendez pas? Non. Ah, bah, super, alors. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Donc, si vous n'êtes pas gêné, tant mieux. Je reviens sur les 19% de nos structures qui ont été sondées. Elles accompagnent le particulier employeur, déclarent les heures via un éditeur de logiciels, via ASAP. Enfin, elles déclarent les heures sur ASAP. Elles éditent le bulletin de salaire. Et le particulier employeur paye le salarié. Et les mandants reçoivent une facture pour les frais de gestion et pour les charges sociales. Et donc, c'est 9% de structure. Elles payent les charges sociales, elles reversent donc les charges sociales à l'URSSAF. Ensuite, vous avez donc les 14%, c'est le mode 1, c'est-à-dire que là, vous passez par le CESU.
Et enfin, les 10% des structures dont je pense, monsieur, donc monsieur Tozzolini, je pense que vous avez dû répondre et vous faites partie de ces 10% des structures qui donc utilisaient l'API tierce de prestation et donc vous faites une facture globale. Exactement. Est-ce que c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Voilà, tout à fait. OK. Très bien. Donc là, on a vraiment vu les deux possibilités. Et voilà, maintenant, je voulais un petit peu voir avec vous, avec chacun d'entre vous, si déjà les deux process sont bien compris. Et voilà, où vous souhaitez vous diriger. Donc, M. Rakeli nous a vraiment indiqué qu'il était plutôt partant pour le mandataire complexe. Et moi, je suis partant pour ce qu'il y a de mieux pour le client, ce qu'il y a de plus simple. Mais je repose la question et je suis très content que M. Tozzolini soit là, puisqu'il est nettement plus avancé, puis sur un volume plus conséquent. La seule question, et c'est une question que je pose à la Fédération, oui. C'est comment on limite le risque de la requalification, parce qu'on se met dans une position de requalification employeur par le versement du salaire. En fait, par l'avance peut-être de salaire plus que le versement. Oui. C'est l'avance sur le compte 2. Et en fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait possibilité, entre guillemets, d'aménager un contrat de mandat qui éventuellement rende compte de cette logique qui n'est pas... Alors moi, je peux être un peu tatasse sur les termes, mais on sait que sur le marché mandataire, en fait, il y a la facturation globale qui amène à une espèce d'illisibilité du mandataire et des responsabilités de chacun. Mmh. Donc, en fait, moi, je serais plutôt sur une logique de simplification des usages avec, en fait, reversement pour le compte 2 par la structure, en particulier aux salariés et autres, avec un contrat de mandat qui soit adapté dans ce cadre-là. Mais en effet, aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas de faire de noyer ou éventuellement de ne pas rendre visible ce qui est facturé, c'est d'avoir une logique de reversement, de centralisation et de simplification des usages. Et si contrat de mandat pouvait être fait en conséquence, pour se border justement et éviter une requalif, ce serait quand même plus opportun. Exactement, puisque dans les termes qui sont utilisés dans nos échanges, j'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas, c'est le mandat de reversement ou le mandat de versement pour le compte 2. Et je ne sais pas si déjà il fait partie de la boîte à outils du site Fédération, mais moi c'est quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si M. Tozzolini vous l'utilisez, mais ça fait partie des questions. Je vais rejoindre madame, ce que disait Mme Piton. En fait, nous, on a essayé d'être le plus clair possible dans notre contrat de mandat sur les obligations du mandant et du mandataire. Nous, c'est expressément indiqué qu'on collecte la totalité, salaire, charge, les dettes, les dates auxquelles on reverse. Mmh. Malheureusement, est-ce qu'on pourra se protéger plus que ça? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on a sollicité à l'époque plusieurs conseils. Le risque de requalification, il est présent. Je ne sais pas comment effectivement nous protéger de cela. Mais, OK. Je ne sais pas si la recette existe. Pardon. Je pense que le risque de requalification, on l'a dans tous les cas. Nous, on a une expérience d'il y a déjà une petite dizaine d'années où il y a eu un prud'homme et on a été convoqué au prud'homme en tant que pseudo-employeur, alors qu'en fait, on n'encaisse ni les salaires et les charges. Je pense que c'est la grande question permanente du mandataire et qui va au-delà d'un simple encaissement de salaires et de charges. Voilà, on joue un peu sur les termes, mais je pense que la requalification, le risque, il existe réellement. Et personnellement, je ne vois pas comment on peut y échapper. Quoi. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a les agréments aussi qui nous sont donnés et qui régissent quand même beaucoup notre travail, qui nous demandent de faire des choses et des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais sur le marché, il y en a tellement qui font du mandat presté, enfin,
qui récupèrent les agréments, soit parce qu'ils ont des certifications qualissables ou autres, qu'en gros, pourquoi on n'irait pas, quoi. Je suis d'accord, mais pourquoi faire quelque chose, pour ne pas citer ces entreprises plutôt lucratives, qui font des choses qui ne doivent pas être faites. On a déjà eu cette discussion avec Madame Rousse également lors d'une ancienne visio, qu'effectivement, au moment du renouvellement des agréments, les structures historiques sur les différents départements rencontraient des difficultés. Alors nous, on nous demande d'être clair, d'annoncer des choses, d'avoir des choses précises dans nos devis, dans nos contrats, tout ça. Pourquoi ces structures finalement qui font du faux mandataire, hein, voilà. Parce qu'on prend l'exemple petit-fils, comment ça se fait qu'ils récupèrent l'agrément? Ils ont eu des retours de la directe négatifs et tout, et comme en fait la certification Qualisap vaut agrément, ils vont chercher la certification Qualisap. Et ils rentrent dans notre fédération. Ouais. Je ne sais pas si on rentre dans la fédé, mais en tout cas, il y a des moyens de lever, en effet, les freins qui sont liés à la directe et l'autre. Et en effet, il y en a qui les trouvent. Peut-être avancer sur un point de droit juridique. Et Madame Piton, j'ai souvenir qu'on en avait discuté quand vous étiez venue à Nantes lors d'une réunion FEPEM. Il semblerait que la différenciation dans le positionnement du mandataire soit tout simplement basée sur le fait que le mandataire répond à une commande ferme, écrite, du particulier employeur. C'est-à-dire que la différence entre ce que je crois être peut-être le contrat de mandat complexe où nous écrivons « nous allons percevoir le salaire » pour votre compte et le reverser à votre salarié, c'est fondamentalement différent de dire « Madame, le particulier employeur, vous m'avez demandé expressément, par écrit, de vous rendre service en percevant le salaire sur votre compte et en le reversant pour votre compte, tout simplement à votre salarié. » Ces petites différences, si vous voulez, juridiques, font souvent la grande différence à un moment donné devant les prud'hommes. C'est qu'en fait, si ce n'est pas généralisé, parce qu'il y a des gens qui disent « non, je ne veux pas le faire », bah, ils auront comme contrainte de ne pas avoir le crédit d'impôt immédiat. Mais s'ils ont dit formellement « oui, je vous demande de le faire », et bah, à partir de là, on ne fait qu'à répondre à une commande du client. Ce qui est différent d'une interaction vis-à-vis de son salarié qui consisterait à dire « vous me dites que vous êtes en arrêt maladie, Martine, vous êtes l'assistante de vie de M. Durand, je vous dis, moi, en tant que mandataire, que vous devez aller travailler », qui est là une interaction majeure qui peut nous amener au prud'homme. Et je pense que c'est là que la fédération a probablement une carte à jouer qui consiste à dire, effectivement, voilà les outils qui vous permettent, on va dire, de limiter au maximum le risque. C'est tout ce que je dis. Ouais, monsieur Raki. Pardon, ouais, monsieur Raquelli, effectivement, on en a déjà parlé lors du précédent groupe et vous aviez posé la question et nous l'intérêt effectivement d'expertiser le sujet et d'avoir un accompagnement, mais qui sera jamais en gommant tout le risque total de toute façon. Enfin, c'est ce qu'on s'est déjà dit. Donc ça, c'est un point. Et comme l'a dit Madame Piton, je pense qu'il y en a d'autres qui le font, qui s'appuient sur le Qualisap pour justement négocier plus facilement le renouvellement de l'agrément en disant, en ayant effectivement delay effectivement sur la valeur du Qualisap par rapport à l'agrément pour faciliter. Je pense qu'on a un label qui s'appelle le Qualimandat sur lequel qu'on peut utiliser aussi, qui pourrait avoir aussi cette même valeur là, qui pourrait simplifier aussi notamment les sujets de renouvellement. Mais je pense que voilà, il y a deux niveaux. Il y a le niveau effectivement de quel accompagnement. Voilà, et quelle information elle fait sur le risque? Il y en a d'autres qui le font. Petit-fils, je le rappelle, a travaillé avec la DGCCRF sur l'ensemble de ces pratiques pour justement respecter plus finement le droit, bien sûr, de la consommation, mais un certain nombre de réglementations. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des éléments qu'il faut qu'on travaille et notamment qu'on puisse s'appuyer sur le Qualimandat et le nouveau Qualimandat demain qui permettra justement de peut-être de faciliter ce type de démarche-là et puis ce recours à cette modalité-là. Et moi, petit-fils peut avoir travaillé avec qui ils veulent, mais aujourd'hui, entre guillemets, entre la dentelle qui est proposée par les structures mandataires, c'est-à-dire la capacité à répondre à la demande du particulier employeur du salarié, à générer des contrats à horaires réguliers, à horaires irréguliers, des CP, 10% à la prise et tout. Ça, c'est, moi, je vais dire, c'est la dentelle mandataire. C'est la capacité que les gens en mandataire ont la capacité de répondre aux besoins et en fonction de la réponse aux besoins, bah, ils peuvent faire de la dentelle. Ils peuvent faire une offre à la carte. Petit-fils,
à un moment, ce n'est pas une offre à la carte. C'est à un moment que des contrats horaires irréguliers. Hein. Donc déjà, les salariés, c'est de l'horaire irrégulier. C'est, si 5 jours avant, les clients ils préviennent qu'ils n'en veulent pas, bah, potentiellement, bah, il n'y a pas d'heure. Donc potentiellement, aujourd'hui, c'est des contrats horaires réguliers. CP 10% à la prise, avec potentiellement les heures des salariés qui ne sont pas payées si le particulier employeur dit 5 jours avant qu'il ne veut pas de la prestation. Donc à un moment, ce n'est pas la même cour. À partir du moment où c'est un mandataire et que ça ne fait que de l'horaire irrégulier, c'est de la standardisation, moi je vous bien. Mais à un moment, l'expertise que les structures ont n'est pas forcément la même que de la franchise qui se monte avec des boîtes à outils et des contrats types. Moi, j'ai tendance à penser ça. Oui, alors je pense que juste le sujet n'est effectivement pas de comparer la nature de la prestation et de voilà, le sujet c'était vraiment de répondre à notre sujet qui est là, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, notamment sur le fait qu'il y ait des blocages pour le renouvellement d'agrément, il y a des choses qui peuvent être travaillées à notre niveau. Effectivement, la comparaison de la prestation et de la qualité de la prestation, ça c'est un autre sujet, puis ça interviendra autrement. Madame Virginie Doge voulait prendre la main tout à l'heure. Oui, après, du coup, il y a eu pas mal de compléments. C'est qu'en fait, au vu des éléments qui sont là aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que nous, on est en grande révolution sur notre service mandataire. On se donne un an pour essayer de redresser la barque. Et dans ce redressement, dans ce développement mandataire, on souhaite, nous, partir dans justement le modèle complexe où je pense qu'on va passer sur récupérer tout et facturer comme petit-fils, ben, puisqu'on est tous sur la même, je pense, en ce moment. On regarde, nous, petit-fils est implanté à Limoges, il est en train de cartonner et on se dit que du coup, on va essayer de faire la même en se mettant sur un système complexe où on se donne un an pour tout revoir nos procédures et essayer justement de trouver des accompagnements pour passer dans ce modèle-là, en fait. Parfait. Ben c'est justement le but de ce groupe de travail, c'est voilà. De réfléchir à des voilà un meilleur accord, enfin, un accompagnement optimal et justement revoir les documents, notamment ben là je pense qu'on va revoir le modèle de contrat de mandat complexe. Donc ça sera vraiment un travail que l'on va faire avec les juristes pour ben, protéger au mieux du risque de requalification notamment. Parfait. Ok. Parmi ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait la demande des API, puisque en fait il faut, y a un délai qui est très très long, c'est plusieurs mois. Est-ce que vous comptez le faire rapidement ou est-ce que tous vous êtes en cours de demande ou vous êtes déjà enregistré auprès de l'URSSAF? Moi, j'ai l'API prestataire. Il y a deux structures. Donc, nous, on a fait la demande en février-mars pour l'API prestataire. On l'a récupérée au mois d'août. Et l'API mandataire, on a fait la demande, même si on ne va pas l'utiliser au mois de mars. Et en fait, aujourd'hui, on est fin octobre et on n'a toujours pas reçu l'API mandataire. D'accord. L'API tiers déclaration, c'est ça, Audrey? Oui, l'API tiers déclaration, excusez-moi. Oui. L'API tiers déclaration, on l'a fait la demande début mars. Et là, début novembre, on ne l'a pas. Et donc, ça fait un délai de quasiment 8 mois. Je crois que c'est 289 jours pour récupérer l'API mandataire. Et l'API tiers prestation, c'est plus facile. Tiers prestation. Donc, si on se oriente vers la facturation globale, donc le mandataire complexe, l'API tiers prestation est suffisante, en fait. Oui. Pour l'instant. Ah ben c'est la plus simple et nous, en tant qu'éditeur, c'est celle qu'on conseille aujourd'hui parce que c'est la plus, en termes d'usage mandataire, c'est celle qui répond le mieux aux usages aujourd'hui du mandataire. Donc, Ouais. Très bien. Par contre, il y a quand même une alerte, parce que là, on n'en parle pas, mais il y a une alerte en termes d'outils parce que aujourd'hui, on est sur un dispositif ASAP Passereau sur des solutions qui sont en fin de vie côté URSSAF qui ne sont plus du tout maintenues. Et là, c'est l'alerte de demain, quoi. Demain, c'est le CESU qui est censé prendre le relais de ces déclarations. Et donc, il faut maintenir la facturation globale sur le dispositif CESU de demain, quoi. Donc ça, c'est toutes les alertes qui ont été faites en atelier avec l'URSSAF Caisse Nationale. Donc, il faut faire perdurer tous les modèles économiques des structures mandataires. Oui, parce que... Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, Monsieur Tozzolini. Il y a
il y a un gros risque si à terme nous ne pouvons plus collecter. C'est ça. C'est les alertes qui ont été soulevées. Parce qu'en fait, on a vu nos clients, tous les clients dans les DROM, les clients d'outre-mer, eux, ils ont eu l'obligation d'aller sur le CESU. Donc, eux, ils n'ont jamais été sur ASAP et Passereau. Et aujourd'hui, on a une problématique autour des adresses mail pour les parties employeurs. Donc, il y a ça. Et il y a aussi la notion de compte bancaire. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est le compte bancaire du particulier employeur pour le prélèvement des charges. Donc c'est là où toutes les alertes ont été soulevées et pour qu'on puisse continuer de travailler comme on le fait sur ASAP aujourd'hui, quoi. Donc avoir une notion de portefeuille client entre guillemets, comme un mandataire le fait aujourd'hui sur ASAP. Et un compte unique de prélèvement de charges, donc sur le compte de la structure mandataire. Et pour l'instant, l'URSSAF ne se manifeste pas pour arrêter ASAP. Puisque on parle plutôt de 2027. Ben, on a ASAP d'un côté. Ils vont peut-être améliorer. ASAP, c'est sûr qu'il n'y aura plus. Ça devait disparaître en 2023. Donc, il n'y a plus du tout. Enfin, aujourd'hui, ce qu'on voit bien au quotidien, les mandataires peuvent rencontrer des écarts de calcul de charge sur ASAP, mais en fait, c'est des problèmes, c'est des bugs connus côté URSSAF et qui seront jamais corrigés, quoi. Parce qu'il n'y a plus d'équipe à travailler dessus. En fait, il y a l'alerte côté ASAP et l'autre alerte côté DGFiP avec le passereau. Parce que c'est pareil, ça, c'est une brique de la DSN, le prélèvement, le passereau. Et demain, c'est une brique qui va disparaître aussi au profit de la DSN. Donc, c'est pour ça qu'on a deux alertes. On a l'alerte ASAP qui peut disparaître et l'alerte passereau aussi qui peut disparaître. Donc, si on n'a plus de passereau, c'est d'office le CESU aussi. Donc c'est là où il faut faire attention. Donc en tant qu'éditeur, on milite aussi sur le maintien de tous les modèles économiques de toutes les structures. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous force de proposition vis-à-vis de l'URSSAF Caisse nationale pour que les usages mandataires perdurent quoi sur les futurs outils. Oui, parce qu'à vous entendre, on n'a pas le choix entre être en CESU ou être en CESU finalement. Ah ben, aujourd'hui, là, tant qu'ASAP perdure, on peut aller sur la facturation globale. Donc, on maintient ASAP passereau plus l'API tiers de prestation pour déposer une facture unique de l'intégralité du coût. Mais dès lors que ASAP disparaît, ce sera d'office le CESU. Parce qu'on s'est un petit peu cassé les dents, mine de rien, avec nos clients DomTom, quoi. Donc, on a ce retour d'expérience et on veut surtout pas que ça arrive en métropole. Et la fédération, à ce niveau-là, n'a pas de poids vis-à-vis du national pour aller vers là. C'est tout l'intérêt. C'est pour ça que nous, on partage beaucoup avec la Fédé aussi, avec toutes les problématiques au quotidien. Ouais. Si, c'est juste. Ouais, c'est justement l'objet du groupe de travail. Le groupe de travail, c'est faire le point, comme l'a dit Nathalie, sur les difficultés, sur les pratiques, et puis derrière, de pouvoir voir quel message et puis quels argumentaires on peut faire remonter dans des échanges effectivement qu'on va rapprocher avec notamment avec l'URSSAF et en lien bien sûr avec les éditeurs, comme l'a dit Monsieur Abbé. L'idée, c'est d'avoir une action conjointe, mais pour ce faire, il faut vraiment qu'on puisse effectivement avoir une doctrine et des éléments, notamment sur le point que vous évoquez, sur effectivement c'est un point dur du maintien effectivement des solutions qui devraient disparaître et qui mettent en difficulté. Voilà, c'est par exemple effectivement ce type de choses-là qui sont importantes et qui pourront être dégagées du groupe de travail dont la première réunion est aujourd'hui. Ouais, parce que le risque, il est vraiment là. Parce que si on conseille toutes les structures mandataires à aller sur l'API tiers de prestation, donc sur une facturation globale, et que demain le CESU devient réglementaire obligatoire et ne le permet plus, c'est retour en arrière, quoi. Ça veut dire que tout ce qui serait mis en place sur la prestation globale, via entre guillemets du reversement en fait, ou de la simplification des usages, si à un moment on nous oblige à aller sur l'API CESU tiers déclaration sans qu'elle soit calibrée, ça veut dire qu'en gros, on ne peut plus faire ou très peu de reversements. Et en gros, on est obligé de on ne peut plus éditer les bulletins de salaire. Et en on doit aller chercher les bulletins de salaire sur l'interface individuelle de chaque particulier employeur. Aujourd'hui, c'est comme ça, oui. Mais ça, en fait, ça ne passera pas. Non, ce n'est pas possible.
Mais ça, c'est toutes les demandes qui ont été faites entre tous les éditeurs, quoi. Enfin, nous, on s'était réunis entre tous les éditeurs et pour faire pour qu'on ait un discours unique, quoi, autour des alertes, autour des usages mandataires. Oui, oui, c'est inconcevable, en fait, d'avoir à gérer les comptes CESU de chacun des mandants. C'est impossible. Ça paraît impossible. Donner un bulletin, puis donner un bulletin au particulier employeur avec le logo CESU, alors qu'en fait, il finance la structure mandataire pour être accompagné. Ouais. Complètement d'accord. Le parcours gestionnaire et le parcours client seraient imbuvables. Enfin, c'est impossible. Là, aujourd'hui, alors, vous l'appelez mandat complexe, on l'appelait mandat complet à l'époque, mais ce qu'on voit, c'est la simplicité. Complètement. Alors que là, ça peut être très confusant pour le mandat, en fait. C'est pour ça que moi je pense qu'il serait intéressant sur les futurs ateliers qu'on ait aussi l'expertise de l'URSSAF caisse nationale, justement. Enfin, je pense que ce serait opportun d'avoir l'URSSAF autour de la table et vraiment entendre les alertes terrain, quoi. J'ai une question. Oui, Madame Doge, vous écoutez. Excusez-moi. On parle aussi de mandat intégré. De mandataire intégré, c'est quoi la différence en fait entre le mandataire intégré et le mandataire complexe? Il y en a une différence au moins ou pas? Je pense que c'est la même chose, Sébastien. Ouais, ça me parle pas. Audrey, oui. Parce que comme c'est nouveau, chacun l'appelle un peu comme il essaye de. Oui. Pour le différencier du mandat simple. Le discours de l'URSSAF, on est bien sur du mandataire simple ou du mandataire complexe. C'est vraiment le discours de l'URSSAF caisse nationale aujourd'hui. Parce que du coup, encore une fois, avec nos très chers amis petits-fils, ils appellent ça le mandataire intégré. Et en fait, c'est parce que c'est une démarche... C'est la même chose, oui. C'est en gros une démarche commerciale. D'accord. Donc en fait, intégré parce que potentiellement, il finance la totalité. Ok. En termes de communication, mais vous parlez d'intégré, de complexe, hein, je pense effectivement. Ah oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Hein, au niveau en termes de communication, c'est évidemment. Si l'objectif c'est simplifier la vie, c'est pas pour l'appeler complexe. En termes de marketing, il y a une question de communication. C'est... Et je pense que c'est vrai, oui. C'est... Oui. Donc, c'est... Dire, oui. C'est un peu connoté mandataire en difficulté ou avec des. Oui, c'est vrai que ça donne pas envie comme ça. Hein. C'est vrai. Merci. Julien, je crois que vous vouliez prendre la parole. Oui, comme dit, c'est vrai que ça nous pose beaucoup de problèmes par rapport à, effectivement, aux démarches qu'actuellement on peut faire, et que est-ce que après on pourra faire encore nos démarches, faire les papiers de fin de contrat lorsqu'un contrat s'arrête. Nous, on a calculé avec ma collègue à l'époque, c'était juste pas possible de passer par le CESU pour faire les payes, qu'aujourd'hui il nous faut à peu près 5 jours pour faire les payes. Si on passe par le CESU pour aller sur chaque personne. Non. Alors attention, parce que les employeurs veulent bien nous donner leurs identifiants, hein, ça pareil. Et au bout d'un moment, comme dit, c'est... L'identifiant et mot de passe est nécessaire uniquement pour récupérer le bulletin de salaire. On a l'impression que l'État, le service mandataire arrête et que les gens passent par du CESU. Parce que nous, en fait, au niveau des structures, enfin, moi, payer des gens dans la structure pour faire du travail administratif, je n'ai pas les moyens. Clairement, c'est impossible de tenir sur les volumes, et enfin, je n'ai même pas beaucoup de volume, mais c'est impossible sur les structures administrativement de faire ça. L'appli tiers déclaration permet cette déclaration. Hein. Attention, là, on peut faire un mandataire pourra faire une déclaration en masse de toutes les heures pour générer les bulletins de salaire. On vient pas manuellement sur chaque compte individuel pour saisir les heures, comme c'est le cas en emploi direct aujourd'hui. Pour récupérer le bulletin de salaire qu'on doit donner aux gens en tant que structure, on est obligé de se partir. On est obligé de se connecter individuellement. Oui, il suffit qu'il y ait un aidant qui modifie pour une raison X ou Y le mot de passe du compte saisi de la personne, et là, en fait, on n'accède même plus au bulletin de salaire de la salariée auquel la structure mandataire doit donner. Oui. Et si un particulier employeur passe sur est en contrat, enfin est en mandat sur deux structures différentes, ouais, enfin là c'est pareil, hein, on a des alertes là-dessus aussi. Hein. Ouais. Parce qu'un particulier employeur peut aussi être en emploi direct à côté, hein, et ça un mandataire peut le voir aussi, quoi. Enfin c'est niveau RGPD, on ne sait pas tip top. Eh oui, c'est ça, c'est le problème.
Madame Vigouroux. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il est possible, dans l'attente, on va dire, de mettre l'avance de crédit d'impôt uniquement sur la partie qu'on facture, sur les frais de gestion, en fait? Est-ce que techniquement… Ah oui, c'est possible. Ça, oui, voilà, parce que ça peut être… Oui. Nous, on se disait que ça pourrait être un début. En oui, ça, c'est possible. Un petit peu de voir tout ce qui se passe dans l'attente. Techniquement, c'est possible. Ah oui, oui. En gros, vous prenez la pitière de prestation et… oui, mais j'ai écrit. Ouais. Vous déposez votre facture de frais de gestion et là, vous aurez le particulier employeur aura les 50% de crédit d'impôt uniquement que sur les frais de gestion. D'accord. Ça pourrait être déjà ça pourrait, début dans l'attente, effectivement, parce qu'on voit que les choses ne sont pas très matures. Mais ça, c'est possible. Hein. Oui. D'accord. Oui. Là, vous voyez mon écran, donc avec l'API tiers prestation. Vous déclarez, vous faites l'avance immédiate du crédit d'impôt sur vos frais de gestion. Oui, mais je pensais que peut-être techniquement, on était obligé d'avoir soit les deux, soit rien. Quoi. Non. Ah non, c'est possible d'avoir. Oui, mais dans cette hypothèse-là, est-ce que c'est vraiment intéressant en fait? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour la personne d'avoir la moitié d'avance de crédit immédiat sur des frais de gestion qui sont, j'imagine, pas très élevés quand même par rapport au coût du salaire? Est-ce que vraiment il y a un intérêt? Est-ce que ce n'est pas source de complexité? Oui, moi je pense que c'est plus complexe. Hein. Je pense que la personne est un peu perdue dans toutes ces démarches, donc la mélanger en ce qu'elle doit déclarer, moi je pense que c'est une bonne idée. Oui et non, hein, parce que ça permet, parce que nous, clairement, la position de notre conseil d'administration n'est pas de passer sur du mandataire complexe, donc ça peut quand même être un début, et puis ça permet quand même d'annoncer aussi un tarif moins important que le tarif, que de ne rien faire en tout cas. Vous facturez combien de frais de gestion à l'heure? C'est à l'heure? Nous, on est à 4,58 euros. D'accord. Donc, ça peut représenter un volume important sur un mois pour quelqu'un qui a beaucoup d'aide. Hein. Mais par contre, il n'aura pas d'avance immédiate de crédit d'impôt sur la partie salaire et la partie charge. Quoi. Donc, voilà, c'est ça. Il restera sur le crédit d'impôt annuel. Quoi. Dans ces cas-là, l'attestation fiscale sera claire aussi, où on lui demandera simplement de déclarer cette partie-là. Enfin, oui. Moi, ça risque de faire… Les gens vont être paumés avec ça, non? Il y a un risque. Oui, il y a un risque, effectivement. Je pense que la personne, ce qu'elle veut, c'est payer le moins possible. Donc déjà, si on amorce quelque chose, je pense que c'est… Après, il faut présenter les choses, clairement. Non, moi, je ne vois pas… Madame Vigouroux, vous avez un plafond avec vos frais de gestion à 4,50? Passer un certain nombre d'heures, vous avez un plafond de frais de gestion ou pas du tout? Non, on n'a pas de plafond, non. Ok, très bien, ça marche. Merci. Monsieur Rakeli. Non, mais en fait, j'ai eu la réponse par Sébastien Abbé. J'essayais de suivre un petit peu là, le système. C'est-à-dire, donc, si j'ai bien compris, les frais de gestion, comme demandait Madame Vigouroux, peuvent passer dans l'API tierce prestation. Oui. Mais j'allais poser la question, comment le client ou le bénéficiaire bénéficie-t-il de la remise sur le salaire et les cotisations? Là, du coup, ça ne marche pas, c'est ça? Non, parce que là, on est obligé d'aller sur le CESU et d'activer le dispositif CESU Plus pour le couple employeur, salarié, particulier employeur. D'accord. C'est le seul moyen pour bénéficier de l'avance immédiate de crédit d'impôt sur la partie salaire et charge, quoi. D'accord, donc si on fait nôtre la complexité qu'on a tous compris de dire à chaque fois faut aller sur le compte d'un particulier employeur pour déclarer les heures pour que l'URSSAF gère et que le client bénéficie de ses 50% sur salaire plus cotisation, nous derrière on peut régler le problème des frais de gestion avec l'API tiers prestation, c'est ça? Mais vous pouvez techniquement aller sur l'API tiers déclaration pour faire votre mais ça remplacera la déclaration ASAP. Aujourd'hui, à ZAP, vous êtes sur une déclaration trimestrielle et demain, sur le CESU, vous aurez une déclaration mensuelle. Attendez, entendons-nous bien. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de rester en simple. Oui, si vous voulez faire bénéficier de l'avance immédiate du crédit d'impôt sur la globalité, sur la partie salaire-charge d'un côté et la partie frais de gestion de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'a présenté Nathalie tout à l'heure. Donc en fait, là, l'API tierce déclaration permet de déposer une déclaration en masse de toutes les heures à déclarer auprès du CESU. Donc, vous n'avez pas à venir manuellement sur chaque compte particulier employeur pour saisir les heures. Ça, c'est l'API tierce déclaration qui le permet. Oui. Mais comment les heures sont-elles déclarées alors? En fait, nous, sur nos solutions, on continue de faire une simulation de paye.
qui permet de générer un flux directement sur l'API de tierce déclaration, parce que nous, on est connecté sur ces API. Donc, on dépose les heures. Ouais. Et pour que le CESU recalcule automatiquement le salaire. Et nous, on récupère. Après, parce que nous, on a une notion de simulation de paye sur nos solutions qui permet de faire des déclarations. Si vous permettez, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots à moi, puisque je connais votre système. Donc, en gros, on fait nos 50 ou 100, 150 clients sur votre base et tout est exporté sur le CESU. C'est ça. Le problème, c'est que, pas le problème pour moi, mais aujourd'hui, quand une structure mandataire fait les bulletins de salaire sans passer vers sur les API, c'est le bulletin de salaire fait par la structure qui prévaut. On est d'accord là-dessus, monsieur Abbé? Oui. Donc aujourd'hui, on édite en tant que structure mandataire le bulletin de salaire et en fait, c'est notre bulletin de salaire qui fait foi. Oui. Si on passe vers l'API, on a en effet, ça fait comme la ZAP, ça nous permet de déclarer les heures. Seulement, votre bulletin de salaire ne devient plus le bulletin de salaire qui fait foi. Tout à fait. Ça devient un bulletin de simulation de bulletin de salaire. Exactement, oui. Donc, ça veut dire que si on le donne au particulier employeur, potentiellement, ce n'est pas celui-ci qu'il faut donner. Il faut donner celui qui est sur le CESU. Et donc, la seule façon de donner celui qui est sur le CESU, c'est d'aller sur les comptes individuels de chacun. Oui, c'est ça. Et donc, parce aujourd'hui, que le mandataire, si on doit demander une amélioration potentiellement, c'est qu'en fait, elle nous renvoie les bulletins de salaire. C'est ce qu'on a demandé en tant qu'éditeur. Aussi, on a demandé, c'est que le mandataire ait la vision, la visibilité automatique de tous les PDF. Les bulletins de salaire retour sans le petit logo CESU, ça nous arrangerait quand même. Ben ça, c'est pareil, ça demandait. Enfin, il faut remonter le besoin. Et sans vouloir dire de bêtises, c'est ce qui se passe, c'est ou ce qui se passe encore avec Page Emploi. C'est-à-dire c'est ça. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a la certitude que entre le bulletin de salaire qui est simulé par la structure mandataire et le bulletin de salaire en fait, qui est édité par le CESU, est-ce qu'on a la certitude que c'est le même montant? Oui, parce que nous, on s'est adapté par rapport au CESU. Ce qui se passe, c'est que nous, on fait une simulation. On envoie sur le CESU et le CESU nous retourne un flux de données de paye pour qu'on fasse un delta en plus en moins. Donc, on est sûr d'avoir les mêmes montants que le CESU. Donc, ça marche comme ça aujourd'hui. C'est comme ça que travaillent nos clients dans les DOM-TOM. De façon à ce que le bulletin de salaire éventuellement donné par la structure et celui donné par le CESU aient le même montant. Comme on a besoin des données de paye derrière pour lancer la facturation, donc on est sûr d'avoir les mêmes calculs que le CESU. D'accord. Ça marche comme ça aujourd'hui. Ouais. Par contre, voilà, c'est ce qu'a dit Audrey. Hein, c'est la problématique, c'est le mandataire n'a pas que ce bulletin de paye du salarié. Le mandataire peut aussi potentiellement prendre la main sur l'adresse mail du particulier employeur. Nous, chez nos clients DOM-TOM, quasiment aucun particulier employeur n'avait une adresse mail numérique. Donc, donc, il a fallu que le mandataire pilote aussi et coordonne cette partie gestion d'adresse mail. Donc, on a eu ça. Et puis, aller sur chaque compte particulier employeur pour récupérer les charges déclarées, récupérer le bulletin de salaire. Donc, on a ça. Monsieur Abbé, juste pour que je termine ma compréhension, parce que là, je suis quelque chose que je connais pas. Donc, la simulation ArchMC de bascule sur le CESU. Oui. Le CESU établit la fiche de paie. Mais alors, je cherche juste à savoir comment ça marche aujourd'hui, hein, pas comment ça pourrait marcher demain. Oui. Que devient la fiche de paie qui a été faite par le CESU? La fiche de paye est envoyée. En fait, l'État, l'URSSAF, fait office de coffre-fort numérique. Donc, le salarié et le particulier employeur ont chacun leur compte et ils peuvent récupérer automatiquement le bulletin de paye, CESU. D'accord. Donc, du coup, ça fonctionne très bien. Ok, c'est l'URSSAF qui gère. Oui. Et c'est quoi l'intérêt pour nous de récupérer la fiche de paye faite par l'URSSAF? Je n'ai pas compris. Si le particulier employeur, il a l'habitude, ou si le salarié a l'habitude d'avoir son bulletin de salaire. Oui. Ben en fait, la seule façon d'aujourd'hui, dans la continuité de l'activité, parce qu'on donnait un bulletin de salaire aux salariés et aux particuliers employeurs, la seule façon de générer la continuité, c'est-à-dire de permettre aux salariés et aux particuliers employeurs d'accéder à leur bulletin de salaire, c'est de récupérer en fait ce bulletin de salaire sur l'interface CESU. Parce qu'aujourd'hui, les particuliers employeurs, s'ils payent une structure mandataire auquel on lui dit, mais en fait, enfin moi, si je dis à un particulier employeur, tu payes la structure mandataire, mais tu te débrouilles, tu vas sur le CESU récupérer le bulletin de salaire parce que sur la base des données que j'ai saisies pour toi, je ne suis pas sûr qu'à un moment, le gars, il ne se dise pas pourquoi j'en ai besoin. Quoi.
Oui, mais ce sempiternel piège qui consiste à dire, puisqu'on passe par le CESU pour le crédit d'impôt immédiat, on va perdre des clients, j'ai presque envie de vous dire, on les perd déjà aujourd'hui dans le choix qu'ils font de passer directement par le CESU. Ce que le mandataire vend aujourd'hui, c'est pas uniquement délivrer la fiche de paie, c'est la capacité de remplacement, la capacité à trouver des gens, la capacité à accompagner la relation. Je dis pas qu'il n'y a pas de piège, mais moi aujourd'hui, je trouve que vendre un service complémentaire qui est le crédit d'impôt immédiat via la plateforme CESU, parce que ça nous est imposé par l'URSSAF, c'est pas un handicap. Mais en fait, je suis d'accord avec vous, mais après je vais lever la main. Mais potentiellement, après les salariés, quand ils ont besoin des 12 derniers bulletins de salaire, machin, tout ça, et que vous n'avez pas les bons bulletins de salaire du CESU, mais que vous avez les simulations de bulletins, c'est un peu galère. Oui, c'est vrai. C'est un peu galère. Donc rien que le fait de dire à un moment si la pays mandataire, elle pouvait en fait permettre le retour du bulletin de salaire pour faciliter l'activité, au-delà de la vente du bulletin, ce serait quand même mieux. Non, mais je suis d'accord. Juste une petite précision, Audrey, donc API mandataire, c'est API tierce déclaration. Oui. Pour qu'on soit bien, clair. Voilà, très bien. Donc, je vais laisser la main à Alexis. Non, mais juste, c'était pour préciser qu'effectivement, moi, je pense que je vois pas la concurrence avec, en fait, avec le CESU. Enfin, le CESU, c'est une modalité déclarative, en fait. Enfin, c'est un outil déclaratif. Finalement, il faut le prendre comme ça. C'est pas forcément, c'est pas tout le package global. C'est un outil déclaratif. Demain, effectivement, si ça, c'est une question que j'ai à M. Abbé, parce que j'ai effectivement pas l'ancienneté sur le sujet. Si c'est ces ASAP et ces passereaux vont disparaître. C'est parce que le CESU va être directement interconnecté à la DSN. C'est ça, exactement. C'est important. La seule obligation déclarative aujourd'hui, c'est la DSN. Et le particulier employeur n'est pas dans ce périmètre DSN. Donc, c'est pour ça que le CESU doit faire le travail de son côté pour retraduire les déclarations vers la DSN. D'accord. C'est pour ça qu'ASAP passereaux vont disparaître. Il faut expliquer que le CESU, c'est pas le chèque CESU, c'est simplement la modalité informatique de déclaration, en fait. Oui. Je pense que c'est ça le travail de pédagogie qu'il faut faire. Donc, ne pas se mettre en concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre les différents modes. Non, il n'y a pas de concurrence entre l'emploi direct et le mandataire. Je pense que vraiment, c'est un vecteur déclaratif de déclaration. Donc, même si c'est écrit CESU sur le bulletin de salaire, c'est pas dramatique. Je pense que l'URSSAF, il développe un outil et l'outil, c'est simplement un outil déclaratif. Donc, ça passera, ce que vous dites, monsieur Abbé, c'est que ça passera parce que le CESU sera interconnecté à la DSN, il n'y aura pas de possibilité, de déclarer, en tout cas pour les mandataires, quand ils font leur démarche, ils ne déclareront pas directement dans la DSN, en fait. Ils n'auront pas un accès, il n'est pas prévu qu'il y ait un accès pour pouvoir déclarer. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce ne sont pas des structures employeuses, c'est ça? Parce que le prestataire, il passe par la DSN. Enfin, voilà, le prestataire, c'est DSN, il est employeur, il passe par la DSN. Là, c'est parce que ce sont des mandataires, et donc dans ce cas-là, il n'est pas prévu de donner un accès en termes de déclaration via l'outil DSN aux structures mandataires pour faire les démarches. Ça, c'est pas prévu. Non, c'est pour ça que c'est le CESU. C'est le CESU qui travaille sur ce sujet-là. D'accord. Donc le CESU, c'est l'intermédiaire technique pour permettre aux mandataires de faire leur déclaration. OK. Merci. OK. Julien, vous vouliez intervenir ? Oui, en fait, ce qui est complexe, c'est effectivement, je rejoins quand même mes collègues quand ils parlent que si les bulletins de salaire arrivent avec le nom CESU, ça ne le fait pas bien. Je suis désolé, mais c'est quand même une grosse réalité. On a quand même beaucoup plus d'employeurs particuliers par le CESU qu'ils ont rencontré vis-à-vis de la pédagogie. Ils ont eu des prud'hommes. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on est sur un système qui fonctionne via ASAP et Passereau, pourquoi on ne pourrait pas juste avoir une plateforme de déclaration en masse ? C'est-à-dire de toujours utiliser nos logiciels métiers pour pouvoir avoir accès aux fiches de paye, de pouvoir faire notre travail finalement de mandataire. Parce que quand les gens nous appellent pour expliquer une fiche de paye, si encore il faut aller se connecter sur l'espace du CESU avec l'identifiant de l'employeur, le mot de passe, donc, avoir un listing. Quand on a une petite activité, je pense que c'est possible.
Mais au bout d'un moment, c'est juste plus possible. Oui, c'est clair. C'est le fameux. Oui, oui. Ah, oui, oui, tout à fait. La demande qu'on a déjà fait à la fédération, c'est d'avoir en fait une plateforme où on fait tout depuis nos logiciels métiers et voilà, à la fin du mois, on déclare tout. Enfin, une fois que les payes sont faites, finies, on déclare tout, les heures, les charges sociales. Et après, ça sera cette plateforme. À un moment, c'est comme ça que ça nous a été présenté tout au début de l'avance simulée du crédit d'impôt. Mais finalement, en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Moi, j'avoue que Mais on est là pour entendre vos... C'est comme ça aujourd'hui, mais pour faire remonter la problématique, pour essayer de faire avancer, évoluer justement les plateformes. Aujourd'hui, c'est comme ça avec l'API tiers prestation. Ce que vous expliquez là, c'est vraiment ça. Mais demain, ouais, c'est la petite alerte autour du dispositif CISU. Quoi. On a l'alerte sur la fin de vie ASAP Passereau. C'est juste ça. Parler avec mes collègues qui s'occupent de faire les déclarations l'avance immédiate du crédit d'impôt pour le service prestataire, il m'a dit qu'il s'arrache les cheveux tous les mois. C'est complexe. Les retours, c'est... Parce que maintenant, imaginons, on a une salariée, elle s'est trompée dans la déclaration de ses heures. Et bien là, on ne peut pas revenir dessus. On pourra. Oui, parce que vous n'avez pas la main. Parce qu'une fois que l'État a versé le crédit d'impôt, il n'y a pas de... Vous avez trop de crédit d'impôt, il y a du trop perçu. C'est ça. Donc d'un mois sur l'autre, s'il y a une mauvaise déclaration, on ne peut pas faire marche arrière. Donc si le particulier employeur a perçu trop parce que la déclaration a été mal faite, ou je ne sais pas, pour des horaires et tout, potentiellement, il n'y a pas de marche arrière. D'accord, c'est intéressant. S'il y a un problème. Pas de mécanisme de correction. Oui, ça je le note effectivement dans les points de vigilance. Alors nous, sur un mandataire, moi j'ai envie de dire, on vient régulariser sur la paye du mois suivant. Enfin, je ne vois pas où... je vois pas trop la différence avec par rapport au prestataire en cas de régule, je sais pas. Mais on peut pas annuler et remplacer. On fait une régule Et côté CESU, c'est une alerte qui a été soulevée aussi. Il n'y a pas de notion d'annuler et remplacer. Oui. Après, que ça soit le CESU ou le page emploi, c'est quand même vachement light pour faire des déclarations. Il y a plein de choses. Je sais pas. Moi, j'ai déjà été interpellé par des personnes qui étaient en CESU, qui voulaient. Je sais pas. J'ai quelque chose, mais l'employeur particulier veut verser une prime exceptionnelle. Je crois que sur le CESU, c'est possible d'avoir une ligne prime exceptionnelle. Ils ont quand même ajouté des choses. Hein. Les notions de primes de revenus autres sont, ça a été ajouté ça dernièrement. Plus largement, enfin le CESU aujourd'hui, ouais, c'est vraiment dédié aujourd'hui pour une paye simplifiée, quoi. Parce que dès lors qu'on est dans le cadre de la mensualisation ou une gestion pure de congés payés, là on évite le CESU est vite dépassé. Donc normalement que les congés payés, on ne devrait plus payer 10%. Tout à fait. À la prime. Oui. En CESU, c'est 10%. Oui. Oui, mais c'est pour ça. La charrue a été mise avant les bœufs, quoi. Ils ont fait le forcing autour du CESU, mais sans se rendre compte vraiment des obligations réglementaires autour de la convention collective. Exactement. Ouais. Oui. Je vais laisser la parole à Christelle Roquebert, qui a levé la main aussi il y a un moment. Merci. Je voulais juste répondre à Monsieur Adala. Ça m'inquiète ce que vous dites, que vous ne voyez pas où est le souci si on passe en CESU, que c'est juste un vecteur et que ce n'est pas dramatique. Si, c'est vraiment dramatique. Parce que je vois, nous, les rares personnes qu'on a en page emploi, ils partent avec les salariés. Au bout d'un moment, on perd vraiment notre plus-value. Alors, je ne sais pas si c'est en fonction des territoires, si nous, on est plus en campagne ou autre. Mais si, c'est dramatique à mon sens, vraiment. Non, mais je pense que ça a été expliqué tout à l'heure. Enfin, c'est-à-dire, si la seule valeur ajoutée, c'est effectivement la déclaration, enfin, c'est que
voilà, c'est qu'ils n'ont peut-être pas besoin de vous. Je pense que vous apportez, que le mandataire, il apporte bien d'autres choses dans sa mission, oui, en termes de sécurisation, en termes de placement, etc. Et c'est toute la valeur ajoutée du mandataire. Donc après, oui, c'est effectivement, ça dépend de la mission que vous faites. Tout ça. On effiloche les choses et au fur et à mesure, ça nous bouffe, quoi. Et enfin, ça, c'est encore un truc qui nous bouffe en plus, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment important de ne pas opposer l'emploi direct et le mandataire. Ah non, on n'oppose pas. Très clairement. Enfin, c'est important et que c'est pas, ça ne correspond pas aux mêmes besoins, aux mêmes attentes des personnes. Ça, effectivement, il faut l'admettre, si les gens peuvent se débrouiller tout seuls, eh ben, ils peuvent effectivement ils peuvent faire de l'emploi direct et déclarer par le CESU. Là, simplement, c'est que le CESU, ce n'est pas le CESU comme chèque emploi. Le CESU, là, c'est un outil déclaratif. J'entends bien. C'est-à-dire que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, si ce n'est pas suffisant, comme le dit M. Abbé, et que ça restreint la déclaration ou que ce n'est pas conforme à l'entièreté, effectivement, la déclaration, dans ce cas-là, il faut demander autre chose. Sur la DSN, moi, j'ai travaillé pendant 3 ans, j'étais chef de projet de DSN au ministère du Travail. Voilà. Si, effectivement, est-ce que dans la DSN, il y a d'autres acteurs qui, effectivement, ne sont pas employeurs en tant que tels, mais parce qu'ils ont un mandat, peuvent faire une déclaration via la DSN. Est-ce que ça existe ou pas? Il faudrait vérifier, en fait. Et à ce titre-là, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux... voilà, peut-être militer pour avoir un accès à la DSN, pour pouvoir justement avoir cette souplesse-là de gestion, etc., et de déclaration en tant que mandataire. Est-ce que ça, ce n'est pas une voie qui est intéressante et qui permettrait d'éviter de recréer une plateforme, etc., commune, etc., comme ça a été expliqué? Voilà, donc ça je ne sais pas, Monsieur Abbé, est-ce qu'à un moment donné, il en est des questions? Est-ce que pas? On comprend que l'URSSAF qui développe, qui interconnecte son CESU effectivement à la DSN n'a pas forcément envie qu'on crée un produit supplémentaire, mais n'empêche qu'effectivement on ne prend pas en compte visiblement la spécificité du mandataire, en fait, du mandataire. Donc est-ce qu'il y a besoin d'un autre vecteur déclaratif qui soit plus complet et plus juste et plus souple? Ça, c'est une question, voilà, qu'on peut se poser, en fait. Après, si ce n'est pas le cas et que l'URSSAF qui est quand même très lié au projet DSN, donc voilà, ne le souhaite pas, parce que, etc. Dans ce cas-là, effectivement, il faut expliquer que le CESU, le vecteur CESU, c'est un vecteur déclaratif, en tout cas, de transfert d'informations. Et ce qui est important derrière, c'est que la personne n'avait pas récupéré soi-même sur son bulletin, sachant s'il n'a pas d'adresse email, etc. Enfin, c'est compliqué, et qu'il y a effectivement ce flux retour, comme l'a dit Audrey Piton, qui permet de récupérer l'information et de le transférer au particulier employeur directement. Voilà. Donc, c'est je ne sais pas, M. Abbé, ce qui a été dans les discussions à un moment donné, mais c'est peut-être effectivement des choses peut-être un petit peu différentes qu'il faut imaginer. Oui, c'est un vecteur, mais qui a une connotation quand même, voilà, malgré tout. Monsieur Abbé. Oui. Alors, ce qu'on sait de sources officieuses, c'est qu'aujourd'hui, le CESU en emploi direct est en pleine refonte et sont en train de retravailler sur... parce que nous, on avait soulevé pas mal d'alertes et de demandes pour les usages mandataires. Et a priori, c'est ce qui serait mis en place, mais c'est toujours de l'officieux aujourd'hui, quoi. Et depuis le début, en fait, le périmètre du particulier employeur, c'était CESU, page emploi. Donc, CESU, page emploi qui devait travailler de leur côté pour s'interfacer avec la DSN. Donc ça a toujours été le projet mis en place. Parce que d'office, ouais, la DSN a été écartée. Donc, D'accord, mais là, je parle de l'usage pour le mandataire. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez porté la demande de fait d'avoir un accès direct à la DSN pour déclarer, voilà, avec le mandat, enfin, parce que vous avez un mandat du particulier, pas vous, hein, mais que la structure mandataire a un mandat du particulier employeur pour faire un certain nombre de démarches, et qu'elle puisse le déclarer directement, en fait. Ah oui, mais ça est toujours, enfin, ça tout d'office était écarté, la DSN. Hein. C'est dès le départ, on nous a dit c'est ASAP est remplacé par le CESU, page emploi. Ce sera comme ça. La DSN a volontairement été écartée dès le départ. Oui. Non, mais sujet, c'est que dans le projet DSN, tous les vecteurs déclaratifs annexes, effectivement, coûtent cher. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai travaillé sur l'insertion de l'attestation de fin de contrat de Pôle emploi
dans la DSN, puisqu'il y avait de nombreux problèmes. Et justement, le sujet, c'était d'arrêter un flux à côté, un flux AED qui coûte cher en termes de maintien, avec une norme à part, etc. Je connais le sujet. Donc effectivement, le sujet, si on crée un outil unique déclaratif qu'est la DSN, c'est pas pour garder d'autres flux et maintenir d'autres flux. Donc c'est dans la logique, c'est tout à fait normal qu'effectivement ce flux ASAP et des espèces de canaux annexes ne soient pas maintenus parce que ça coûte cher et c'est pas l'objectif. OK, donc ça, sur la philosophie, on comprend. C'est pour ça que le CESU, l'objectif, et moi aussi j'ai porté le fait que le CESU soit interconnecté à la DSN pour effectivement notamment faire porter la fin de contrat à l'intérieur. Voilà, moi je l'ai porté moi-même. Après, si le CESU, enfin, l'outil CESU ne correspond pas, ne permet pas aux structures mandataires de répondre à leurs besoins, d'avoir un accès facilité, d'avoir le retour, enfin, de répondre à leur métier, dans ce cas-là, effectivement, et je comprends que ça a été une suite d'office, etc. C'est peut-être la demande qu'il faut porter. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y en a d'autres qui le font, qui ont un rôle un peu d'intermédiaire comme le mandataire? Et effectivement, comment éventuellement on peut porter la possibilité de déclarer, en fait, d'avoir effectivement, d'être déclarant, non pas en tant qu'employeur, mais en tant que mandant, en fait, parce que ça, c'est quelque chose qui est possible. Ou alors, ce n'est pas possible, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait demander dans le cadre de vos instances, du CN, du CDD, enfin de votre instance de coordination des éditeurs de paye, le SDDS, dans vos échanges du SDDS avec le JPMDS qui s'occupe effectivement du projet DSN. Est-ce que c'est une question qui peut être posée effectivement, non pas à l'URSSAF, mais au JPMDS, pour savoir est-ce que c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, le vecteur CESU ne répond pas à la modalité et aux besoins métiers de déclarer pour les mandataires. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait essayer d'avoir l'échange et de faire porter le sujet pour voir qui est-ce qui est dit. Et par rapport au cahier technique de la DSN, donc par rapport à la philosophie de déclaration, est-ce qu'effectivement, c'est possible ou pas, effectivement, de le faire? Enfin, moi, c'est comme ça que je le porterais, en tout cas, si j'étais de l'autre côté. Tu peux prendre la parole là-dessus? Parce qu'il y a des mains qui sont levées, mais il y en a qui veulent parler. Oui. Alors, Madame Doge, peut-être, Virginie. Moi, je motive aussi, mais... mais moi, en fait, je vais parler tout de suite, mais... Monsieur Adela Charpiot, ou même Sébastien. Pardon. Le discours que vous tenez là, moi, je n'ai rien contre. Hein. Moi, structure mandataire, je veux un outil fonctionnel. Donc, soit ça passe par le CESU, qui ensuite le CESU passe à la DSN, ou que la structure mandataire soit directement rattachée à la DSN, je peux dire que ce n'est pas mon problème, mais moi, je veux un truc fonctionnel avec, en fait, un espace mandataire. Aujourd'hui, depuis 2 ans, il y a des comités de partenaires, où il y a toutes les fédés des services à la personne et autres, et pour lesquels l'évolution de l'API mandataire, elle a été portée. Il y a aussi le sujet, en fait, des plateformes d'intermédiation qui sont concernées. Donc, à un moment, si, en fait, depuis 2 ans, c'est porté, et on leur sort la carte de « Hey les gars, peut-être qu'en fait, on ne veut pas du CESU, mais on passe à la DSN », donc peut-être pas, en fait, c'est peut-être pas très lisible pour eux. Donc, en fait, le sujet, c'est que le CESU, M. Abbé a dit que le CESU était aujourd'hui en renouvellement, ou je ne sais pas, mais c'est quoi l'ambition du CESU pour le secteur des services à la personne, ou pour les acteurs des services à la personne? Et c'est quoi, et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour nous, au regard des différentes remontées, quoi? Si aujourd'hui, il faut repartir sur la DSN, pour de vrai, mais les structures, mais nous, on ne va jamais suivre, hein. Bah, c'est ce que j'allais vous dire. Enfin, on perd tous les mandataires aujourd'hui si on va sur la DSN. Enfin, moi, j'ai vécu aussi en tant qu'éditeur sur la partie prestataire. C'est monstrueux côté structure mandataire de passer à la DSN. Mais vous le faites déjà, les structures qui sont presto-mandataires, elles font non. Déjà, elles déclarent déjà, en fait. Elles ont déjà, mais non, mais elles ne sont pas les mêmes. Enfin, on est vraiment sur des dispositifs à part. Enfin, on est une structure, elle s'est bien dissociée, presta-mandat. Enfin, non, mais le dissocier, ouais. Mais c'est bien déclaré. Enfin, je sais pas. On n'a pas les mêmes responsabilités en tant que structure mandataire. C'est beaucoup plus simple. Enfin, franchement, j'ai du prestat et du mandat. Sur le prestataire, j'ai des effectifs en termes de ressources humaines, mais qui sont totalement différents du mandataire. En termes de déclaration et compagnie, c'est impossible pour moi, en prestataire, 120 salariés, en mandataire, moins de salariés, j'en ai 50, mais tant homme administratif pour gérer du prestat et du mandat avec de la DSN et des déclarations, mais... Si moi, je dois avoir la même charge en mandataire, mais soit j'ai des coûts de gestion faramineux, soit je suis incapable de le faire. Hein. Vraiment. Aujourd'hui, si moi, je prends en administratif et en besoin de ressources humaines la même chose que mon prestat pour faire les déclarations, alors que ce n'est pas mes salariés, mais c'est bon, moi, je mets la clé directe sous la porte. Hein. Je vous le dis. Hein.
Ça va étudier. OK. Très bien. Je vois que l'heure tourne. Donc, il y a déjà des personnes qui ont enchaîné sur d'autres réunions. Je vais laisser la main donc, à Madame Virginie Dauge. Oui, alors moi, du coup, je suis d'accord complètement avec Audrey, mais c'est vrai que je repartais sur les autres questions qui étaient bien avant. Où, oui. Moi, j'ai bien compris que pour monsieur... j'ai perdu son nom. Adalain Sapio. Voilà, c'était le CESU était une plateforme de déclaration, sauf qu'en fait, nous, sur le terrain, on ne le vit pas comme ça. Notre premier concurrent aujourd'hui, c'est le CESU. Donc, je suis désolée, mais et on le revendique comme ça et on démontre, voilà, qu'est-ce que c'est la différence entre le CESU et nous. On est là-dessus, j'ai encore fait la communication envers nos mandants où j'ai redit quel était, pourquoi aussi on avait des frais de gestion et pourquoi on était aussi cher et en mettant en valeur qu'est-ce qu'on apportait. Mais ça, les gens, ils ne le comprennent pas. Il faut bien être honnête que le CESU est un de nos premiers concurrents aujourd'hui. Après, au niveau des frais de gestion, justement, c'est peut-être là où on devrait travailler sur notre contrat de mandat. Et c'est là où aussi, moi, je sais qu'on a besoin de vous, la FEDE, pour valoriser en fait nos frais de gestion et peut-être revoir tout notre contrat de mandat pour expliquer que en fait, notre mission n'est plus peut-être de déclarer les bulletins ou voilà, mais peut-être de présenter des salariés ou autre. Donc peut-être voilà, travailler aussi sur ce genre de choses. Oui. Donc là, dans le cadre de notre concertation nationale, nous avons donc envoyé à donc un panel de structures mandataires un questionnaire justement pour objectiver le modèle et pour essayer de mieux objectiver tout ce qui est frais de gestion et d'optimiser en fait ces frais de gestion parce qu'il y a une telle différence. Certaines associations facturent moins d'un euro de l'heure et puis d'autres plus. Donc, essayer de trouver un modèle économique qui soit viable pour tous les types de structures en fonction de leur statut. Et aussi, du coup, de nous accompagner pour l'expliquer dans le sens où, dans le contrat de mandat, peut-être de revoir et de bien… Parce que ça, on en avait déjà parlé avec justement l'API déclaration où notre position n'était plus en fait par rapport à ce CESU de déclarer l'URSSAF, voilà, de tout ce qu'on faisait aujourd'hui, peut-être se positionner autrement. Et ma dernière question, c'était aussi, comme vous dites, j'ai donc l'AS, Madame Vigouroux, qui disait qu'elle prenait donc 4,58 euros de l'heure. Et c'est vrai, si ça ne vous dérangeait pas, j'aimerais bien faire un tour des frais de gestion qu'appliquent les gens aujourd'hui. Parce que 4,58 euros, je trouvais ça énorme en fait. Écoutez, là, il faut voir là, en fait, les différents modèles économiques. Ça sera, c'est le but de notre étude. Ouais. Je veux dire, Audrey. Par forfait, moi, j'ai des forfaits et on est en train de les revoir. Moins de 10 heures, c'est la porte d'entrée, je disais, c'est 70 euros par mois. Pour moi, c'est de 1 à 25 heures, 70 heures par mois, 25 à 50, 105. Et en fait, j'ai des forfaits. Mais moi, j'ai fait une petite étude de gestion aujourd'hui sur le marché. Il y en a qui vont jusqu'à 13. Et je vous invite à aller voir la franchise Nos Aimés. Potentiellement, qui prend quasiment 13, mais en plus, ils prennent des frais de mandat à 50 euros par mois, TTC, en plus des frais de gestion. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un marché plutôt très, très élargi. Et je dirais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous dire, moi, mon sujet, c'est-à-dire que sur les services à la personne, quand on regarde le marché services à la personne, le coût moyen, c'est entre 25 et 30. Donc, aujourd'hui, il y a deux solutions. Comment est-ce qu'on arrive à 25 et 30? Soit à un moment, on a un niveau de rémunération des salariés qui est meilleur. Et en fait, on arrive à des salaires plus élevés et donc on a moins de difficultés sur le recrutement avec des frais de gestion qui nous permettent en fait de vivre, en effet. Et nous, on est en train de faire l'étude et potentiellement, on partirait sur du 4. Au début, on était sur du 3, mais franchement, on ne va pas les changer tout le temps. Et 1 euro, potentiellement, avec du crédit d'impôt immédiat, ça fait du 50 centimes en plus. Mais c'est peanuts pour un avantage structure qui peut être important. Oui, c'est l'objet vraiment de notre étude et on vous fera un retour d'ici la fin de l'année justement où on aura essayé d'étudier tous ces modèles économiques. Merci Virginie pour cette question importante. Moi, j'ai Pascal Rakeli. Oui, un dernier point à voir. Alors, oui. Je vais quand même répondre à la question qui est posée. Nous, la tranche de 1 à 20 heures, c'est 3,76 TTC par heure et c'est dégressif à mesure qu'on change de tranche d'heure mensuelle. C'est-à-dire qu'on doit finir à 2,50 quand on est à plus de 250 heures par mois, si ça répond à votre question. Et vous avez des plafonds ? Pardon ? Vous avez des plafonds ? Non, il n'y a pas de plafond, non. C'est-à-dire le 3,76, c'est entre 1 et 20 heures par mois, et le 2,50, c'est au-delà de 250 sans plafond.
Et vous... Ah, ok, ça marche, merci. Parce que nous, on est à moins de 2 euros, en fait, par heure. Je pense qu'il se pose la question dans mes échanges aussi avec d'autres mandataires du modèle économique. Notamment, j'entendais tout à l'heure notre premier concurrent, c'est le CESU. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Il y a des mandataires très forts. Je pense du UIEP, du Petit-Fils, bon, une aide qui est un petit acteur, mais où l'offre mandataire elle est hyper bien marketée pour que le particulier employeur comprenne pourquoi il paye des frais de gestion. Ça, c'est important, je pense. Et quand j'entends des frais de gestion à 3 euros, bah oui, une structure, elle ne peut pas vivre avec 3 euros de frais de gestion, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Petit-Fils prend plus de frais de gestion que de salaire de l'intervenant. Ils ont un modèle qui marche. Ah, très bien, félicitations à eux. Nous, nos frais de gestion moyens, on va de 5 à 11,40 par palier. Et on a un modèle économique plus que rentable. Enfin, je pense qu'il y a un modèle économique à travailler peut-être en concertation avec la Fédération mandataire pour que tout le monde y trouve son compte. En allant au fait du modèle économique, à bien marketer l'offre, ce que les prestataires font très bien. Enfin, bien mieux que nous. Oui. Je voudrais juste terminer, merci Monsieur Tozzolini de ce retour, parce que c'est une vraie question. Surtout, je pense à l'autre groupe de travail qui est le Backstart. Backstarter. Il y a une vraie question de comment on devient rentable à partir. Enfin, je veux dire, c'est quoi les tarifs à appliquer pour être rentable? Parce que quand on démarre avec un petit volume, forcément. Donc la question, c'est qu'il faut être rentable plutôt assez vite. Je voulais juste revenir avec Sébastien Abbé, juste pour mettre à l'abri peut-être une incompréhension. Tout ce qu'il est présenté aujourd'hui, est-ce que Arch MC2, avec le logiciel Arlequin que je connais bien, est-il un éditeur de logiciel qui permet de faire des choses que d'autres éditeurs de logiciels ne permettent pas de faire? Ou est-ce que ce qui est présenté, c'est vrai pour tous les éditeurs? Nous allons faire un comparatif, c'est-à-dire que nous allons inviter aussi l'éditeur Xelia, lors de la prochaine réunion de groupe de travail, donc dans 15 jours, justement pour avoir aussi leur... J'en profite pour poser la question à Julien. Julien, vous êtes sous quel système d'exploitation, la famille 68? Je crois le même que vous. Bon, ce serait peut-être intéressant de les interroger eux aussi, si ça ne vous dérange pas, Madame Deveza. GUS. Alors, vous êtes sûr? On a un logiciel qui a été développé en interne par un groupement informatique. On est sur Athéna. Ça s'appelle Athéna. Oui, c'est que le GUS, hein, c'est ça? C'est ça. Il travaille avec nous, mais il était avec nous sur les ateliers, avec Martial Atterrer, on a travaillé. Voilà, juste histoire de dire qu'on ne se trompe pas selon les choix qui ont été faits il y a des années par nos structures, pour savoir ce qu'on peut faire et pas faire. Parce qu'à un moment donné, c'est facile de dire on va aller faire ça, pour qu'après on se rende compte que finalement, c'est peut-être le système qu'on a qui ne le permet pas. Donc si j'ai bien compris, Monsieur Rakeli, vous êtes aussi vous travaillez avec ce logiciel-là, Athéna. Exactement, je suis un ex-apologique devenu GIUS, donc je pose la question que d'autres peuvent se poser. Enfin, Monsieur Tozzolini, je ne sais pas avec qui vous fonctionnez, mais parce que vous êtes une grosse activité, mais il faut aussi se poser la question de savoir, dans nos différentes postures, techniquement, ce qu'il est possible de faire. Complètement, mais on s'interroge effectivement là-dessus, et je vous dis, on va consulter aussi l'éditeur GIUS. Merci. C'est noté, merci. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui a largement tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu la... Qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-moi, je vous avais perdu, pardon. Excusez-moi. D'ici la fin de la journée, je vais vous envoyer un deuxième créneau pour notre deuxième groupe de travail. Donc là, déjà, les échanges ont été très riches. Donc, je vais synthétiser vos réflexions. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Je ne sais pas si quelqu'un veut conclure. Je voudrais juste apporter un mot. C'est le deuxième groupe de travail que je fais dans la semaine.
Et vous n'imaginez pas à quel point c'est plaisant et intéressant d'échanger avec des confrères et de voir que finalement, des questions que nous avons, on n'est pas les seuls à les avoir, que des solutions existent. Et puis peut-être même des questions qu'on n'avait pas soupçonnées existent quand même. Donc un, je félicite la fédération et je remercie tous les gens qui participent à ce type d'atelier parce que ça participe quand même à une sérieuse réflexion de fond sur nos métiers. Merci Monsieur Rakeli pour ce témoignage et ce soutien. Et je vous dis, environ dans 15 jours, je vous envoie d'ici ce soir l'invitation pour donc une deuxième réunion en fonction de vos réponses, de la majorité de vos réponses. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Madame de Vézage, je peux me permettre une question en dehors du sujet ? Oui, je vous écoute. J'ai répondu un peu tard à l'inscription au pack starter. Oui. Est-ce que je peux encore raccrocher le wagon, vous pensez ? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, je vais transmettre l'information à Madame Pauline Brousse et elle vous enverra l'invitation pour le deuxième temps, puisque le premier temps a déjà eu lieu. Mais aucun problème, au contraire, merci pour... votre participation. Et puis, merci aujourd'hui. Excusez-moi, c'est quoi le pack starter ? J'ai pas compris, du coup. J'ai vu ça ce matin. D'accord. Alors, en fait, donc ça fait partie de nos différents groupes de travail. Donc, l'idée, c'est de proposer aux structures qui ne sont pas encore, qui se lancent dans l'activité mandataire, qui peuvent, ou qui sont complètement nouvelles, ou qui faisaient du prestataire et qui souhaitent s'orienter vers le mandataire, leur proposer un certain nombre d'outils, de documents en marque blanche, etc., pour se lancer dans l'activité. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt destiné aux nouveaux. Merci beaucoup. Et bien entendu, nous prônons le mandataire éthique, donc qui se conforme à notre charte d'engagement et qui s'engage dans la labellisation qualité qui est inscrite dans la convention collective, le Calimandat. Voilà. Merci pour tout. Merci. Bonne journée. S'il existe un enregistrement du premier temps, il sera publié peut-être bientôt. Du premier temps, oui, tout à fait. Pour le pack starter, je vais voir avec ma collègue. Bonjour, monsieur Tozzolini. Je suis désolée, mon micro, il ne marche pas. J'ai un petit problème de connexion. Je vous avais envoyé un mail suite à votre sollicitation. Vous ne l'avez pas reçu ? Alors, je sais que je vous ai écrit hier matin, mais je n'ai pas eu de réponse. D'accord, je vais regarder alors pourquoi vous ne l'avez pas reçu et vous le renvoyez parce que je vous avais indiqué notamment toutes ces informations-là. Et. Je vais bientôt envoyer un mail avec les deux nouvelles propositions de date et le replay de la vidéoconférence. Donc, vous aurez tout de temps et je vous ai bien intégré. Super, merci beaucoup, à très bientôt. De rien, à très bientôt, monsieur Tolé. Au revoir. En tout cas, votre témoignage nous est précieux puisque vous pouvez vraiment aller dans le sens d'une facturation globale et que ça marche. Enfin, vous pouvez rassurer les structures dans ce sens. Je suis entièrement d'accord. J'y vois que des bénéfices, que ce soit côté particulier employeur ou côté structure. Enfin, je me pose la question, même comment peut-on faire différemment que ce que fait une aide ? Ça doit être très compliqué, je pense. Très, très compliqué. D'accord. Par contre, vous avez quand même pris note qu'au moment où la ZAP va disparaître, on aura quand même un problème. Donc, il faut qu'on s'en occupe dès maintenant. Hein. Oui, il faut anticiper. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de partager cette fédération. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.